Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la promotion de l'épisode de Far Cry Primal, chers amis. Donc on fait reprendre, enfin on fait continuer, pardon. Et vous allez voir, normalement on va avoir une petite vidéo. Hawaija salwai takar palur winja laja daus. Ou alors il va copuler et attendre des années et des années. Ce qui est possible aussi, hein. Sac de matériel dans les branches des arbres pour se lever les yeux pour trouver de la nourriture et des ressources pour la confection. Oui, pourquoi pas, effectivement. Ça peut être intéressant. Oh, je réapparais sur ma peau de bait. Ma peau de bait. Alors est-ce que du coup ça marche? Non, ça ne marche pas sur le long terme, entre guillemets. Ok, pourquoi pas. Yo, tout se passe bien. Est-ce que quelqu'un aurait une montre pour me dire à l'heure qu'il est? Non? Bon, tant pis. Ok. Bonjour. D'accord. Ok, compte sur moi. Compte sur moi. Donc la base doit être la quête pour le DLC. Ok. Bon. Alors techniquement on a plein de trucs à faire. Feu de camp. Aider les Wenja mis à mort. Il y a un feu de camp dans le coin. D'accord, c'est sur un feu de camp. Ok, là aussi il y a un feu de camp qui mène à ce Jaima la chasseresse. Donc là on a la fameuse grotte. Ok, donc on a plein de trucs à faire. On a plein de trucs à faire dans la confection. Alors dans la compétence on a un point. Est-ce qu'on peut, on pourrait le mettre quelque part? Pour l'instant c'est pas intéressant. Dans la confection, peau d'ours brun, on n'a pas le niveau entre guillemets pour battre des ours. Érable du sud, d'accord, ça pourrait être sympa. Des roseaux, donc faut que je m'arrête sur des roseaux. Cèdre du nord. D'accord. Peut-être qu'en partant voir la chasseuse. Voyons voir, parce que... Vous voyez, donc si on passe par là, on peut s'occuper de... on pourrait faire ça, en fait. Redescendre, passer par là. Et aller chercher le feu de camp. C'est ce qu'on va faire. Hop, on va descendre par là. Parfait. Et on y va. Donc voilà, je sors de la ville, enfin de notre zone, notre village. J'ai accès à mes armes. Bon, on y va. Il y a mon, ma bestiole qui me rejoint. Je refais le plein de tout. Ok, c'est bon. On y va. Il faudra faire attention si on tombe sur des félins. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hop. Envoyons notre... C'est des alliés. J'ai eu peur l'espace d'un instant, je me disais merde, ils sont revenus aussi proches. Parce qu'ils me semblaient assez pâles, vous savez, et on avait vu des ennemis assez pâles aussi. Des tortues. La dernière fois. Non ça va, c'est moi, calmez-vous les mecs. C'était pour enflammer, ouais c'était pour enflammer. Ok, il y a un bout de bois ici, on va le prendre. Et on va essayer de se diriger comme il faut. C'est-à-dire le chemin de droite. Qu'est-ce que... Mais... C'est devenu si vivant que ça? Bon apparemment... Par contre là il y a clairement une bête étrange.
Pourquoi elle fuit? Non, c'est pas toi que je veux. Non. Hop les. Pourquoi elle était blanche? Faut que j'aille voir. Il fait nuit. D'un seul coup c'est tombé comme ça, chers amis. Ah, il est allé me chercher du coup la peau de bête, d'accord. Bon bah écoute, pourquoi pas. Si elle est allée me chercher, c'est tant mieux. Qu'est-ce que... Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui lui a pris à ce pauvre cochon? Hop. Bon bah écoute, bouffe le cochon. Hein. Ou viens me voir, reviens me voir, c'est pas grave. Bon, il veut pas venir, on va le rappeler. Reviens à moi. Nous, on progresse. Wouah, les yeux, bien dans la nuit. Hein. Reste avec moi. C'est la pleine lune, du coup, on y voit super bien. C'est épique. C'est absolument épique. Ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment un cycle de lune. Wouah ! Si ça, c'est pas génial, chers amis. Ouh, dame. Non. Lui. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Bien joué. Hop. Ils sont au-dessus, hein, y a pas de pépin, hein, pas de problème. Bon, il va me falloir. Ok. Il manque juste une accélération à ce. À ce truc-là. Personne? J'aurais juré avoir vu des gens. Ok, j'aurais juré avoir vu des gens. Honnêtement, je... Je me suis peut-être fait avoir aussi. Hein. C'est possible. Oh, on se calme. Quoi? Mais c'est que des loups. Putain, c'est que des loups. Donc il y a vraiment un système entre guillemets de faiblesse, hein, chers amis, à mon avis. Hein. Il aurait fallu que j'enflamme ma sagaie. Mange. Yo. Il y a un système de faiblesse à la Pokémon en fait. Faudrait que je pense à prendre le roseau aussi. On l'a pas pris, je vais aller le prendre. Donc ça veut dire qu'en haut il y a un grappin, je crois. Voilà, c'est ça. Bon, on commence à comprendre les différents. J'aurais juré avoir vu deux petits points blancs là-bas. Étrange. Alors, est-ce qu'il serait en train de dormir? Donc, vous voyez là par exemple? Hop, je l'ai brûlé.
qui permet de récupérer la peau de l'ours. Ce qui est juste génial. Ce qui est juste absolument génial pour nous. C'est une aubaine, comme on dit. Bon, par contre, l'incendie n'est pas une aubaine. Retournons au camp. Non, c'était A et ça, voilà. Hop. C'était l'inverse. Est-ce qu'il y avait quelque chose à y faire ici, en fait, de particulier? Enflammer sa gueule, non. C'est bizarre, quand même, comme bestiole, hein. Là, il y a quelque chose. C'est quoi, ce bordel? D'accord, je peux peut-être la brûler, cette fois-ci. Allez, hop. Ok, ça a marché. On donne accès à un sac de... Oula, c'est chaud tout ça. Ce qui donne accès à un sac de... Comment que ça s'appelle de... Par contre, il en prend énormément de bouffe, c'est incroyable. Donc ça, en fait, je peux récupérer des bouffes de base, en fait, hein. Vous voyez, c'est vraiment des bouffes, entre guillemets, voilà, je peux me passer par exemple sur ça. Non, je suis actuellement sur ça, voilà, c'est ça. Et je pourrais passer à ça. Simplement en faisant un contrôle. L'accès à la touche est bizarre quand même. Enfin bon. C'est pas grave, le soleil se lève. C'est pas grave. Alors, sur la carte, est-ce qu'on l'a enfin obtenu ce truc-là? Oui, on a eu le point. Donc maintenant on pourrait se diriger là. Tiens, je viens de remarquer un truc sur la map. Vous voyez l'espèce de zone rouge? Ça serait bien une zone ennemie en fait. C'est particulier, mais enfin bon, pourquoi pas. Ah d'accord, il y a l'heure, lever du soleil. Ok, cool. Enfin, si on peut appeler ça l'heure. Rien d'autre. Rien d'autre apparemment. En tout cas, je suis content qu'on ait eu l'ours. C'est une très bonne nouvelle. Hop! Ah! Là-dedans, il y aurait un truc intéressant. Oh, qu'il est beau! On a plein de flèches, on peut gaspiller des flèches. Ok. On va dépecer le crocodile. Merci. Dis-moi que t'as autre chose que de la... Il n'y a plus de place dans le sac pour les objets. Non, il n'y avait rien d'autre. Là. Hop. Parfait. Prochaine récompense plus 4. Ça veut quoi? Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Ennemi. Et là-bas, il y a un truc bizarre, ce qui veut dire qu'il y a une zone avec des Winja sauvetage, tous les envahisseurs et sauver les Winja capturés. Récompense XP et population. Bon, bah écoutez, on est parti pour ça. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer notre chouette en reconnaissance. Il est tout seul? Hop les bouffe! Il va pas comprendre d'où ça vient. Eh oh, baisse-toi. Si j'arrive à lui en caler une entre les deux yeux, ce serait parfait. Raté. Hop là, je l'ai eu. J'ai ma flèche, je fouille le cadavre. Barre-toi, l'ami. Ils vont revenir.
Ok. On voit rien par là. T'es en forme quand même, hein. Putain, il arrête pas de faire du bruit, ce machin là. On est là. J'ai dit qu'on devait aller là, chasser les meutes de prédateurs qui menacent les Wenja. Bah écoute, pourquoi pas. C'est à 200 mètres. Qu'est-ce que... Attaque! Oh, je suis hors de portée. Oh! Ok. Oh, il touche! Ah, je touche pas, moi! Ok. Appuie dessus. Parfait. Problème résolu. Hop. On va aller fouiller les autres cadavres. Il n'y avait rien à fouiller sur celui-ci. Celui-là. Oh bah merde, une dolle. Une jolie dolle. Désolé, ils ont tué une de tes camarades. Hop. On récupère nos flèches un petit peu quand même au passage aussi. Ça va nous faire du bien. Chercher, tiens. D'accord. Ok. Il y a un autre cadavre dans le coin que je n'ai pas vu, je crois. Non, c'était peut-être la plante. Aucune idée. Hop, on y va. Encore ? Ah. Bon, je vais suivre la route, ça devrait pas être trop long. Un camp? Un camp. Winja. Bah toi, ça t'apprendra à ouvrir la bouche, hein. Bah, tu peux te pousser, s'il te plaît, merci. Ah, putain. Il commence à y avoir beaucoup de bestioles dans le coin, j'aime pas ça. Ah, ils ont peur des Winja maintenant, ça y est, c'est bien. En voilà une bonne chose. Ah, il a vraiment peur, hein, il hurle. Hein. Pauvre petit père. Bon, ça me semble bon. Tuer tous les gardes. Bah mais t'es marrant toi. Il se planque. Vous avez vu ça? Il se planque dans les fourrés. Hop. Comme ça il a pas le temps de réagir. Ça se passe plutôt bien. Que j'ai eu tous les gardes. Apparemment non. Non, j'en entends encore qui gueule. Qui gueule et qui s'attaque à quelque chose.
Bon. Détaché. Ah, c'est bon en fait. Ok. Putain, non, c'est notre pote qui cause. Je suis con. C'est cool cette animation, je trouve. Pourquoi tu gueules? T'as aucune raison. Hop! Mais quoi? Mais j'en viens de là! Je viens déjà de le faire. Ah merde, j'ai annulé ma flèche, j'étais stupide. Mais je viens déjà de le faire ce truc là. Ah, je devrais le faire. Je devrais le faire. Il est tout seul. C'est fait? Bon bah, et franchement pour ça chers amis, je vais le faire. Hein. Est-ce qu'on monte à 20? Parce que normalement à 20 on va avoir une récompense, je crois qu'on est à 19. Pas tout à fait sûr. Événement terminé, 100 d'XP. Et on a un truc dans l'eau, on en a 19 exact. On n'a pas vérifié s'il y avait un poisson, un gros poisson, je veux dire. Apparemment ça va. Non, ça va. Feu de camp découvert. Et là, voilà, il y a une... Oh merde! Oh quel con! Ok, c'est bon. Oh! Tout ça pour des os! C'est pas grave. On y retourne. Apparemment, on a besoin de moi dans le coin. Yo! Oh là, oui, effectivement, tu dois avoir des emmerdes. Bonjour! Ah, c'est con! Je récupère un peu de bouffe alors. Plus de place. Pourquoi pas. Normalement j'ai reçu des nouveaux trucs. Ouais, enfin bon, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Ok, pourquoi pas. Et donc t'as des emmerdes avec des dolls, ça je comprends. Mais des dolls qui sont censés être... Elle m'a donné une quête, mais alors de là à savoir où est-ce qu'elle est censée se passer. Ah si, là-bas. Une chèvre ordinaire. Quoi? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec la quête? Bon, c'est pas grave. Apparemment, on a soit ce feu de camp là, soit ce feu de camp là. Celui-ci nous rapproche d'un fou qui nous donne... Ah, la griffe grappin. Mais il y a un tigre sur le chemin. Enfin, il y a des tigres sur le chemin, du coup, un lion des... enfin, des lions des cavernes. Et ça risque d'être hors de notre portée. Donc je pense qu'on va plutôt se diriger par là. Et on verra bien ce qu'on y trouvera. Faut passer à l'ouest. Je suis pas tout à fait sûr, j'ai regardé. Oui, c'est à l'ouest. Ok. Hop les. Hop. Encore? Ah mais les... Oh la vache, ils l'ont buté. C'est plus propre. Hein. Bute-le! Bon, c'est pas la forme pour elle, mais... Pour notre doll. Je sais pas si c'est une doll ou un doll. Bonjour.
Hop, merci. Juste à temps. Merci mon pote. Et ils sont en train de manger leur cuisse de poulet. Enfin leur cuisse de leur gigot, c'est un gigot, hein. Ça s'appelle un gigot. Soyons exacts, soyons précis. Et tu vas me dire qu'il y a encore en fait un bonhomme qui attend paisiblement ici. Ah, pas paisiblement. Hop là. Pas paisiblement. Putain, je crois que c'est des bestioles. Bien. Bonne fille. T'as le droit à ton bout de viande. Oui, attends, t'as le droit à ton bout de viande quand même, merde. Tiens, mange. Hop. Bonne fille. Alors. Une ressource d'armes et de nourriture sera envoyée de votre cage de récompense chaque jour. Ça, c'est génial. Reconnaissons-le, c'est génial, chers amis. Par rapport à la carte, où est-ce qu'on est? Là, on peut partir directement plein sud. Ah bah oui, t'es drôle, toi. Plein sud, ça va être compliqué. Alors, il faudrait que j'arrive à remonter. Et potentiellement, faut que je reprenne, en fait, faut que je continue sur la route et que je passe à gauche pour remonter. Ah, c'est parce que... Mais pourquoi il sort mon arc? Hop là. Je suis pas fan de ce que je viens de faire là, chers amis, honnêtement. Abattre un mec dans son dos, c'est pas... Ça me rend pas fier. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oula. Voilà un bruit qui me plaît. Dommage que je ne puisse pas monter. Voilà une bestiole qui m'intéresserait, hein. Honnêtement. Ah, elle est peut-être pas si loin, hein. C'est une Winja. Ouah, la forêt profonde d'un seul coup. Une bestiole morte. Ça attire les prédateurs, ça, normalement. Voilà, je me trompe de bouton, pardon, excusez-moi. Hop, voilà, bonjour. Oh! Faire mal. What? Oh merde, c'est un pote ça. Alors qu'est-ce qui m'a empoisonné? Mais non, je t'ai rien fait moi. J'ai rien fait moi. Il me suit. Oh merde. Il l'a eu. Putain, il l'a eu. Le bourrin par excellence. Excuse-toi. Bon, t'es pas enfant par contre, donc je... Non, c'est bon, t'attaques pas au cochon, il t'a rien fait le cochon. Pauvre cochon. Hop. Voilà, s'il te plaît, viens, prends à manger. Prends à manger. Prends à manger. Prends à manger. Ah, ça y est. Ah, faut que je regarde légèrement au-dessus en fait. Mange. Oh, c'est un petit bout de viande à sa taille en plus. Oh, oh la bonne bébête. Quoi? Qu'est-ce que ce bordel? C'était des cochons, mes ennemis? Bon, c'est pas grave. J'aurais été plus intéressé par... un animal un peu plus agile, dirons-nous. Oh. Alors, est-ce que je peux le prendre sans me faire piquer?
Oui. Bonne nouvelle. Alors, c'est plutôt par en haut ou par en bas, chers amis? Si je monte... Donc, faut que je monte. Alors, faisons attention quand même. On a bien vu que les aigles étaient des ennemis redoutables. Puis, vu la puissance de notre chouette, on pourrait aussi se dire que... Il y a danger. Waouh. C'est pas très naturel tout ça, n'empêche. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On y est plus ou moins. On est carrément dans la montagne là. C'est incroyable. Waouh. Regardez ça. On est dans une cuvette. En fait, l'âge de glace, ça... C'est pas naturel, ça. Ça, c'est pas naturel. Regardez ça. C'est central. Non, enfin bon. Je suis bien dans la bonne direction. Et apparemment. Donc, on change de zone, alors qu'on a peut-être pas... Bon, c'est pas grave. Oh. Oh. Je... Ah putain. Non. Il aurait fallu que j'aie le grappin pour pouvoir passer. Merci de m'avoir prévenu. En effet, c'est vrai que quand on le voit là, on pourrait se dire qu'on aurait pu gagner du temps. Je vais le tenter. Le saut. Le plongeon. Fais pas un plat! Oh putain, sa mère! Oh, oh! Il a plongé! Croco? Pas croco. Ours! Ours! Non! Pas moi! Mais non, pas moi! Les mecs, aidez-moi! Si je peux lui faire un peu plus de dégâts. Ok. On l'a eu. Dépecé ours brun. Merci. Est-ce qu'on a suffisamment de peau, chers amis? Par contre, j'ai mis feu à tout le truc, mais c'est pas grave, hein, j'en ai rien à faire. Hein. Est-ce qu'on a suffisamment de peau? Putain, il nous en faut encore une. Transporter plus de flèches. Bon, c'est pas grave. Ah merde, ma bestiole est dans les flammes. Viens, viens me voir. Viens, papa. On va en profiter pour aller sur la carte. Et on va se diriger vers lui au final. Hein. On reprend la route dans, dans la même direction dans laquelle on était. Et on va se diriger vers lui. C'est pas grave. Donc, vous voyez, si je vise un peu plus haut, en fait, j'ai accès à la possibilité de le soigner. Oh bah, et t'auras pu lui donner dans la... C'est pas grave. Ok. Bon, par contre, niveau bestiole, on en voit beaucoup moins, hein. Ah, par contre, niveau humain, ça gueule. Hein. Alors là, la chute va être douloureuse, je présume, effectivement. Aïe. Parce que oui, si on est trop haut, on va avoir du mal à redescendre au final. Hein. Okay. Le campement de l'autre fille. Bon, c'est pas grave, j'ai pas m'emmerder à aller le chercher. Attends, 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 il y a des cadavres juste devant. Elle est morte? Ah non, c'est un... C'est un Oudam. J'ai eu les boules l'espace d'un instant. Ça m'aurait fait mal qu'elle soit morte comme ça. Dernière saguée, est-ce que j'en reconstruis une? J'ai de quoi le faire. Faudrait un plus gros sac à dos par contre. Hein. Est-ce qu'on a un sac à dos entre guillemets?
Il y a ça, le sac à viande, mais il n'y a pas un sac à dos. Apparemment, non. Donc, faudra qu'on aille débloquer certaines personnes. Apparemment, lui, il est assez important, entre guillemets, on va dire. On dirait qu'il y a une espèce de parcours dans le coin, c'est violent. C'est des cochons en bas, mais il y a un cochon qui est noir. Vous le voyez comme moi? Il y a un cochon qui est noir. Alors, j'ai pas envie de descendre par là. Mais je crois que je n'ai plus le choix. Ok, ça se passe plutôt bien. Mais il n'empêche qu'il y a un cochon qui est noir. Non, c'est dans ma tête? Ou alors c'est lui qui est bizarre? Je sais pas. Donc oui, il y a bien un cochon agressif. T'as cru, toi? Oh! T'es sérieux, le cochon, là? Bon, c'est pas la peine. Je vais juste récupérer la ressource de... bombe. Et on va l'utiliser, je pense, dans le prochain... dans le prochain camp. Oh, mais alors, toi... Tu payes pour ton pote, hein, je suis désolé. Hop, voilà. Tac! Tu payes pour ton pote. Du coup, on a pété une sagaie. Hop. Ouais, ça va être douloureux par là. Aïe. Oh! Hey, je viens juste d'atterrir devant toi. Ok, c'est bon. Putain de sanglier. Il va pas le bouffer. Elle l'a effrayé ou elle l'a bouffé? Racine de plante rare, génial. J'ai cru entendre un vombrissement étrange. Bon, elle part le pourchasser un petit peu loin par contre, hein. Ah, je peux plus le rappeler. Ça y est, hop. Bûcher de veille pierre. Il y a des houdames. Comme d'habitude. En espérant que les flammes se projettent comme il faut. Si je peux éviter d'être repoussé par ma bestiole, ça serait cool. Oula, je suis mauvais. Bien joué. Oh, j'ai gaspillé ma flèche, c'est vraiment dommage. Ah, on a eu le camp en fait, littéralement. On a eu tout le camp. Hop. On va enflammer notre flèche. Hop. Et on allume le bûcher. Bûcher de veille pierre. Bûcher revendiqué, 2 sur 16 revendiqué. Récompense 400, population Winja, Winja augmentée. Ce qui veut dire qu'on va choper des gens, ce qui veut dire qu'on a dépassé les... On a déla... Ouais non, on avait déjà dépassé les 20. C'est moi qui suis stupide. Level up. Ah, je pensais qu'il me le dirait. Ah, voilà. Je me disais aussi. Oui, attends, je te soigne. Tiens, Simone. 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 Tu veux pas que je soigne? Simone, pousse-toi. Simone. Merci. Simone, viens là. Alors. Voilà, hop. Imagine qu'il y a un certain nombre d'ordres qu'on peut donner. Tiens. Hop, mange. Non, c'est pas la... Je voulais manger la viande, en fait. C'était... Ça marche, intéressant. Je peux faire enflammer des...
pas grave. Ah voilà, il est là. Chercher le sac du camp, mais je le trouve pas. Il est là. 3. Ah. Ah, ça doit être le niveau des bombes. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pouah, d'accord, je viens de comprendre. Ok, cool. Donc ça, on l'a compris. Ah oui, je marche dans le feu, effectivement. C'est pas un des meilleurs moyens de l'éteindre. Des ninjas par là qui ont besoin d'être sauvés. Oh, c'est con, ça avait l'air sympa. Avant-poste de l'enceinte. Ouais, ça avait l'air sympa. Alors là, tout est relatif. Par contre, le tigre me fout les boules. Soyons honnêtes. Suivez votre collection sur la paroi de votre grotte. Ah, ça peut être sympa, ça. Ça peut être carrément sympa. Bon. Et niveau point de compétence, on en a combien? Plein. Bonne chose. Ça revient bien plus vite, d'accord. Ici, c'est quoi? La chouette peut larguer vos bombes piquants et vos bombes berserk et bombes à feu, d'accord. Le temps de récupération de la chouette après une attaque passe de 80 secondes à 65. Ça pourrait être pratique. Non, je vais attendre parce que comme on va potentiellement débloquer le grappin prochainement, qui va se passer là. Double gourdin, waouh. Je me suis spoilé tout seul, mais bon, c'est pas grave. Comme on va prochainement débloquer la suite, je préfère attendre. Oh. Ce que je pourrais peut-être faire. C'est envoyer ma chouette. Qui ont attaqué un tigre. Deux tigres. Elle ne repère pas les bêtes, vous avez remarqué? Elle repère que les humains, donc notre ami va mourir. Hein. Et je pense que deux tigres, c'est pas la peine d'y aller. Soyons honnêtes. Regardez-le. Voilà. Ce n'est absolument pas la peine d'y aller. C'est d'une violence. Putain, il m'attend! Alors je serais bien passé là pour passer de l'autre côté. Je crois que ça va pas le faire. Donc je crois avoir vu un passage par ici. Ah ah. J'aurais préféré ne pas l'avoir vu ce passage. Honnêtement, j'aurais préféré ne pas l'avoir vu. Combien de temps ça fait que je tourne? 40 minutes. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, nos partenaires liens dans la barre de la chaîne. Alors, certains m'ont demandé de mettre plus de son sur les voix, malheureusement il n'y a aucune option, je vous montre. Il n'y a aucune option audio qui augmente le son des voix. Donc soit je peux supprimer les musiques. Est-ce que ça vous plairait que je supprime les musiques? Même s'il n'y a pas énormément de musique dans le jeu. Eh mais j'y pense. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'il est là? Ah merde. Fais chier. Est-ce qu'il est là? Il tire à l'arc lui. Mise à mort. Ah la vache, je bouge. Et tu vas le buter ou pas celui-là? Hop. Hop. Bien joué. Nombreux d'un coup là.
Bien joué, j'étais pas... j'avais pas chargé ma flèche, entre guillemets. Cool, 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 cool. Tiens, bouffe. T'as mérité. C'est con, moi je voulais le... la bestiole, le tigre. Bah oui, je peux les... j'ai pris l'option pour les... pour les, comment, les tame. Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, à plus pour d'autres épisodes, chers amis, pour un autre épisode. Hop, et hop. Là, et là.